Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ce matin au programme, chez nous, pas grand-chose. On a coupé la famille en deux. Pas très équitable, mais on a coupé la famille en deux. J'ai gardé les filles. Nicolas est allé passer du temps avec les garçons. Du coup, au programme, petit brushing pour Amy. Voilà, elle a moins chaud avec les cheveux lisses et attachés. Donc, on a fait ça ce matin. Sinon, au programme cet après-midi, petit shopping en famille, histoire d'acheter ce qui nous manque avant de partir. J'ai commencé les valises. Organisation des valises, j'établis des listes. Alors, il y a une liste bagages à main, une liste valise et une liste de ce qui nous manque. Et en fait, j'écris par exemple, je vous dis quelque chose de tout bête, pyjama. Et je coche pyjama une fois que j'ai mis par personne. Et le but, c'est d'avoir 8 bâtons devant le mot pyjama. Et comme ça, je sais que tout le monde a un pyjama dans la valise. Voilà. Et je fais ça pour à peu près tout. Longtemps, on a reçu les fameuses valises. Du coup, ils sont en train de. Ils ont commencé à mettre les petits autocollants. Je suis contente parce que le délai de livraison était vraiment juste et je les aurais eu avant de partir. Donc, franchement, c'est trop cool. T'as choisi laquelle? Oh, le camion de pompier. Elle est jolie, hein? Il y a des autocollants, oui. Maman avoue que papa, il était fort au jeu d'avant. Mais il était pas fort, je l'ai battu. Oui, mais il a quand même voulu une revanche et il a gagné. Ça, c'est pas juste ça. Ça, c'est les tricheurs qui font ça. J'ai joué à un jeu avec Nico et j'ai gagné. Après, elle a demandé une revanche, après, elle a gagné. Mais normalement, c'est gagnant en un coup, hein. C'est une manche, hein. Ouais. Voilà, petit choupette. On va aller faire les courses? Oui!